Là, en fait, on est en train de faire des fresques, enfin des jeux géants pour les enfants qui ne partent pas en vacances cet été. Donc ça va leur permettre de venir jouer ici, bah, tous ensemble, entre amis, avec leur famille, leurs parents. Y a de la musique, on est en plein air, on fait quelque chose pour des enfants qui a de l'importance, parce que c'est pour des gens quand même qui ne partent pas en vacances, des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir, et forcément ça nous touche. Alors là, on est en train de peindre un banc. On va pouvoir installer dans le parc. Ouais, je trouve ça ludique. Et puis voilà, si on peut avoir des places de concert, enfin voilà, je trouve ça bien. Vu qu'on est en vacances, autant s'occuper. J'ai vu plusieurs activités. J'ai vu des jeunes qui dessinaient, des jeunes qui peignaient, des jeunes qui sciaient, des jeunes qui bricolaient. Ils sont mis à rude épreuve, mais c'est bien. Au moins, ce sera du travail, enfin une place méritée. Et ils travaillent vraiment. Voilà, ils se rencontrent, ils s'amusent. C'est une belle journée. Mais derrière, il y a une réelle demande et un réel travail. Ils ont l'air très heureux. Ils étaient étonnés de me voir, surtout en premier lieu. J'ai pu peindre aussi avec eux, donc c'est des moments assez insolites. Mais voilà, je crois qu'on a vécu des moments normaux, quoi. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grande barrière finalement. Et ils m'ont tous dit que j'étais beaucoup plus petite qu'à la télé. Ça va, ils m'ont pas dit que j'étais plus moche. mais non, on s'est beaucoup amusé. Moi, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai peint un bout de bras. Voilà. Il faut dire que lorsque j'ai peint, j'étais en plein cagnard, en plein soleil. Et je ne sais absolument pas comment ils font pour tenir depuis une heure parce qu'il fait super chaud. Mais non, c'est surtout que dans ce moment-là, j'aime pas trop parler. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur disais, j'en ai discuté un peu avec eux. Et pour la plupart, ils n'avaient jamais peint. Et ils sont en groupe, ils sont entourés. Mais c'est vrai qu'on est tellement concentrés sur notre trait de peinture que du coup, on est assez isolés. Mais c'est bien, ça permet de découvrir d'autres choses aussi. Je pense que c'est comme quand on découvre la lecture. On est seul face à quelque chose et on se plonge dans une bulle. Et c'est un peu peut-être la même chose que procure la peinture et le dessin. On m'a présenté le projet. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, que ça regroupait beaucoup de choses, que déjà c'était une motivation pour tout le monde que d'avoir une place gratuite entre guillemets. Si c'est donné 4 heures de son temps pour une cause associative, du coup ça motive les jeunes à le faire dès leur plus jeune âge, que ce soit pour Orange Record, pour une autre association. Du coup ça incite aussi à s'intéresser à ça. Puis ouais, ça leur permet aussi de mettre leur créativité, leur imagination et leur côté artistique aussi à l'épreuve. Et en plus ils se rencontrent, en plus ils sont tous, il y a des petits groupes qui sont arrivés mais ils ne se connaissent pas entre eux. Dans tous les points de vue, c'est super positif et c'est que du bien. Je l'ai fait assez jeune, effectivement, même lorsque j'étais pas connue, du coup je pouvais me balader un peu partout, mais j'ai fait, oui, beaucoup de manifestations, beaucoup de par le biais de la danse aussi, je me suis beaucoup investie depuis longtemps et aujourd'hui encore plus et peut-être encore mieux dans le sens où le fait d'être connu, on véhicule des idées peut-être qui sont un peu plus entendues que par une personne lambda. Et dès que Chai me peut aider, je fais en sorte d'être présente. Ça se passe très bien, je suis ravie. Caméléon est sorti il y a quelques jours. Il a reçu un accueil pour l'instant très positif. On sait encore que rien n'est fait parce que voilà, il faut encore qu'on attende quelques semaines, mais il y a de très bonnes critiques artistiques. Ah mince, il y a un problème avec le plan de travail. Et oui, il y a du vent, ça perturbe les plans. Mais ouais, non, je suis très contente, je suis fière de ce bébé, de ce nouveau projet que je défends. Je vois que les gens en plus l'aiment beaucoup. Oui, je disais qu'il y avait des belles critiques artistiques sur le projet en lui-même, donc je suis super contente, quoi. Je croise les doigts pour la suite. Et tout le monde a son texte. Tu donnes. Tu reçois. Tu donnes. Tu reçois.